Nous habitions une partie des bâtiments de l'école publique de Sainte-Agathe. Mon père dirigeait à la fois le cours supérieur et le cours moyen. Je vous présente un nouveau venu. Il s'appelle Augustin Maulne. L'arrivée d'Augustin Maulne fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle. Et c'est à l'occasion de la dernière baignade de l'année que son empire s'étendit à tout le cours supérieur de Sainte-Agathe. À partir de ce jour-là, on ne l'appela plus Augustin Maulne, mais le Grand Maulne. C'est moi le monsieur, il a volé la carriole. Hey ! Elle est belle, n'est-ce pas? C'est ma petite fille. Augustin Maulne. Yvonne de Galais. Maulne. Où étiez-vous passé? Si je le savais. Au cours des semaines suivantes, tout notre temps libre fut employé à la recherche du domaine mystérieux. Le château, les 12 boissons! Mais nous ne trouvions rien. Cela fait un an que cette aventure est commencée. Elle est à présent finie. Comment vous me trouvez? Épatante. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Je l'ai retrouvé, je l'ai vu, je lui ai parlé. Bon, c'est ridicule, j'arrête. Je sais plus qui j'étais, elle non plus. Non, tu te fiches de moi? Tu m'as entraîné partout pendant des mois et des mois. Tu m'as ensorcelé. Dites à Augustin Maulne que je ne l'ai pas oublié. Je t'ai menti. Je mens tout le temps. Arrêtez! Vous voulez dire qu'il est parti? Envolé, mon cher. Vous avez des gens qui se croient assez importants pour mériter d'être attendus indéfiniment.